a de quoi lever la main de la victoire. Tomota Puhetini vient de remporter la Tapuna Master, un quatrième titre pour le surfeur de Papeno. Donc je suis très content, ça fait plaisir. Hein. C'est quand même un objectif que j'ai atteint et voilà, ça fait du bien. Et justement, pour la finale, Tomota Puhetini n'a pas tardé à dévoiler tout son talent sur le spot de Punahouia. Il enchaîne rapidement les gros scores, notamment avec une vague à 8,73. Enrique tente de riposter derrière, mais la barre des 6 points reste difficile à dépasser. Les grosses séries de vagues attendues ne se forment pas rapidement. Les conditions, ouais, perfect les vagues. J'ai juste tombé un peu sur les bonnes vagues que j'ai eues, mais... Voilà, c'est comme ça. Hein. Il est super fort, hein, Tomota Puhetini. Ouais, il est super fort, il a gagné ici plusieurs fois. Ouais, il est humble et il est super cool. C'est sûr, à ce niveau de compétition, on reste vigilant quant au choix de vague et à ce jeu. Tomota fait toute la différence avec des manœuvres et des tubes qui s'enchaînent parfaitement, soit 16,90 au total pour remporter la victoire finale face à Enrique. C'était clean les conditions, on avait de belles vagues, de belles conditions. De jolis tubes et voilà, on a pu s'exprimer un peu, hein, mes gars. Alors Enrique Aritu, ben, je pense que c'est sa quatrième finale d'affilée. Donc franchement, c'est quelqu'un de très constant. Hein, et félicitations à lui ainsi qu'à tous les autres compétiteurs. Tout le monde a très bien surfé et bravo. Du côté des bodyboarders également, on a assisté à une finale de haut niveau. Thibaut Casabianca ici à la manœuvre sur cette vague. Le duel est engagé avec Tehei Tahiri, champion en titre. Les séries sont au rendez-vous, il faut exploiter au maximum les opportunités. Sauf que pour Tehei, la réussite n'est pas au rendez-vous. Ces vagues frôlent seulement les 4,93, 5,93, inhabituel pour le tenant du titre. Oui, avec de bonnes vagues, il fallait vraiment tomber sur les pommes. Et ton compilon, là, aujourd'hui, il était puissant. Non, on a tous le même niveau, hein. Faut juste avoir les bonnes vagues. Et lui, il a la chance d'avoir les plus grosses. C'est juste ça qui fait la différence. Là, t'as fini deuxième. Voilà, content aussi. Hein. Très fatigué depuis ce matin, tout le monde ride. Mes gars. Surtout que l'an dernier, j'étais en finale avec lui, j'ai perdu. Là, j'ai eu ma revanche. Ça fait quoi de gagner? Je ne peux pas expliquer. Et pour toi, les conditions? Magic. 10 points. Là, on a mis ton adresse. C'est son spot, hein. Moi, je suis de Sapinus et... Je représente ça. Thanks. Demain, ce sera au tour des Andines d'entrer en scène sur le spot de Tapuna. Les finales de surf, kneeboard et bodyboard se disputeront en début d'après-midi aux alentours de 14h.